Hey, salut à tous et à toutes les amis, c'est Capitaine Guillaume, et là, vous vous demandez, mais où est-il parti ? Dans la quatrième dimension. Chut ! Non, je dec. Regardez-moi ça. Le prieuré de la Sainte Trinité. Franchement, moi, ça me fait penser un peu aux visiteurs, quoi. Je m'attends à voir débouler Godefroy Montmirail et Jacouille pour essayer de sauver le monde. Ou retourner dans le passé. Mais, ce coin-là, donc, ce sont les ruines. Hein, de belles petites ruines. Franchement, je ne serais pas contre pour une rénovation, parce que je trouve que ça a du style. Hein. Regardez, on pourrait faire un épisode de chevalier ici. Un bel épisode de chevalier et tout, là. Moi, je me vois bien hein, faire ça, un petit épisode de chevalier, là. Tranquille, au calme. Avec des dragons et tout. Hein. Donc ça, ce sont normalement des entrées pour aller dans les souterrains. Donc, je vous mettrai dans la description un lien qui vous parle beaucoup mieux que moi des souterrains, justement. Et donc, moi, je ne vais pas dans ces souterrains parce que, déjà, je suis tout seul, puis surtout, j'ai pas le matériel nécessaire, hein. Et aussi un autre truc, c'est qu'on peut se faire ensevelir, vivant. En gros, vous êtes dans une galerie, vous vous baladez, la 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 la, et boum, enterré vivant. C'est pas trop mon délire. Par contre, regardez-moi cette vue. Cette vue imprenable. C'est-il pas beau, ça? Hein? Un petit coin de paradis. Un sacré petit coin de paradis, franchement, comme le centre équestre. Je sais pas si vous allez le voir. Il part là-bas, il est là-bas. Franchement, c'est un bon petit coin. Et normalement, si je me souviens bien, il y a un petit coin où on peut descendre pour avoir encore une vue plus imprenable sur la ville. Donc, je ne dis pas le nom de la ville pour éviter tout accident, parce que j'aimerais pas que quelqu'un fasse... Oh, cette vidéo est trop géniale, je vais monter sur les ruines. Et là, pouf, le mec il tombe. Et en bas, je vous jure, c'est du hyper mentier, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Le mec il va se casser comme une biscotte en bas. En plus, regardez, c'est marqué. Genre qu'on va voir le petit panneau. Alors. Propriété privée, site sous surveillance, défense de monter sur les ruines, chute de pierre vipère. En plus, il y a des serpents. C'est cool, ça, il y a des serpents. Donc, normalement, par ici, il devait y avoir des ruches à abeilles. Mais heureusement qu'ils sont plus là, sinon je ne serais pas là. Ah, et regardez là. C'est là d'où on vient. Vous imaginez une chute d'ici, là? Ping. Franchement, le mec, il est biscotte à la fin. Hein. Il s'est haché par mentier et tout ce que vous voulez en bas. Hein. En tout cas, il ne va plus rien rester de solide en bas. Ce sera de la viande hachée. Ah oui, parce qu'elle est en rénovation aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une poutre ou une rail de train. Une belle petite rail de train. On peut bien le voir que c'est en rénovation. Hein. Ah, il y a une voiture qui passe. Ah oui, 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 c'est gagné. Vous voyez ce chemin-là ? On va limite faire un générique de fin. Bon, on va quand même essayer. Oh, il y avait un trou. On va quand même essayer de remonter un petit peu. Hein. Donc, ce petit coin de paradis là. Donc ça, c'est dans ma ville. Je vous donne un indice. Elle est dans le. Donc cet endroit est dans le système solaire, sur une planète de notre système solaire, dans notre galaxie. Allez, je vous donne un nom. La galaxie de la Voie lactée. Franchement, là, si vous trouvez pas, je pense qu'il vous faut de plus. Hein. Ah, franchement, ce petit coin-là est pas magnifique. Un bon petit coin, là. Donc, il y a aussi un autre petit projet secret qui va se passer ici, mais j'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Limite, sinon, c'est...
Donc je reviens sur le thème de soit c'est chevalier, soit ça fait un peu Assassin's Creed. Hein? Regardez, on pourrait. Mince, il y avait une bande de pierre avant. Où est-ce que. Ah oui, oui, mais il y a eu les herbes. Hey, hey, c'est moi. Ouais, non, non, mais il y aura une vidéo aussi où je vais parler de ce qui se passe dans mon cerveau. Pas mon imagination, parce que vous la connaissez déjà. Mais plutôt... Franchement, quand je cours sur ces ruines, j'ai l'impression de me croire pour un assassin. Alors, est-ce qu'il y a des abeilles là-dedans? Je préfère pas tenter, j'aimerais pas avoir une ruche à mes pieds. J'aimerais pas devenir le commandant en chef de l'armée abeille. Donc là, il n'y a pas le droit. Oh, une petite porte. Une petite porte. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait, vous savez, un calendrier maya. Comment on appelle ça, hein? C'est déjà venu tout à l'heure. Où c'est avec les rayons du soleil. En gros, un calendrier hyper badass, quoi. Une petite entrée secrète. Et on ne peut pas y aller. Bon, c'est peut-être mieux comme ça. Oui, j'adore monter sur les cailloux. Hein, les cailloux, c'est la vie, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas sur les cailloux? Alors, ça ne fait pas partie de l'abbaye. Je peux vous assurer, j'ai regardé un peu, juste à vue d'œil. Ça m'a pas l'air d'époque. Ça doit être un peu plus ancien, la remorque. Franchement, c'est drôle, hein. Par contre, certes, ça fait un style comme ça, ça fait du relief, mais... Ah, c'est joli, quoi. Ah, et qu'est-ce qui a marqué? Pinochon. Sûrement une formule magique qui va nous ouvrir vers une dimension parallèle. Vous dites le nom en latin et... Par exemple, là, dans le sol, voilà, une faille spatio-temporelle s'ouvre vers un autre monde. Avec des petits lutins qui vous font... Coucou, on est là, haha, c'est nous! Ouais, non, ça... C'est peut-être mon cerveau qui merde. À vrai dire, j'ai pas encore fait la mise à jour. Vous imaginez, vous montez là-haut et puis vous tombez encore? Alors là, je pense que vous auriez deux chances. Soit vous vous écrasez dans l'herbe, soit vous vous faites un petit peu empaler. Sur un principe d'empalage, d'empalement, d'empilement, ce que vous voulez. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait des vipères. Peut-être que je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il fait tard quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, c'est vraiment un endroit formidable. Donc malheureusement, ces endroits sont de plus en plus dégradés. Parce qu'il y a des personnes avec des mauvaises intentions qui viennent et qui se disent « On va tout casser, franchement, c'est pas cool. » Parce que c'est des endroits qui ont de l'histoire, par exemple, ici. Ça a de l'histoire, ça. Il y a des souterrains, c'est une abbaye, donc forcément, il y a eu des moines qui sont venus et tout. Il y a sûrement eu même des cérémonies. Puis il y a aussi la Seconde Guerre mondiale qui est passée et qui nous a sûrement laissé des petites belles traces. Par exemple, un ou deux obus qui ont pété sur l'abbaye et qui ont un peu détruit. Donc si déjà ça a été détruit par la guerre, puis ensuite il y a encore des personnes qui viennent fracasser ces trucs, ces monuments, ces lieux historiques. Franchement les mecs, je vous dis, c'est pas du tout intelligent. Hein. Ces lieux, ils ont de l'histoire, faut les préserver, au contraire. Faut les protéger. Il y a des inscriptions là-haut, je sais pas si vous les voyez, mais il y a des inscriptions sur le petit triangle, là. Oh mon Dieu! Mais oui, les amis, ce sont eux, forcément, regardez. Un petit triangle, tout a forcément une petite forme triangulaire. Ce seraient les Illuminati? Ouais, ça se trouve, ils étaient là, ils ont laissé une marque, ils ont fait... Allez les mecs, je vais vous faire un petit triangle, hein. On laisse une petite signature. Gravé dans la roche. Vous imaginez un carreau? Vous mettez des carreaux? J'aimerais pas être la personne qui va laver les carreaux. Donc là, il y a une bosse.
Ah d'accord, donc la petite entrée que normalement, je sais pas si vous allez la voir. On passe entre les barreaux, hop là, prisonnier, je ne sais pas si vous pouvez la voir. On monte. Yep. Ah, la petite entrée là, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc elle nous emmène là. Une entrée qui nous emmène vers une un champ d'ortie. Ouais, franchement, il y a mieux. Ah ici, oui, il y a tout qui monte et qui descend. Ici, c'est vous faites du rallye. Hein. Oh, regardez-moi ça. Oui, là, c'est ma main. Coucou, la main. Ah, je vais quand même essayer de vous montrer. Je vais voir si je peux vous montrer deux, trois petits endroits aussi. Là, vous voyez, je verrais bien une main de créature ou de démon. Passer la main. Sauf que moi, en général, c'est ça dépendra de mon humeur. Soit je flippe comme à peu près 99% des gens. Voilà, je serai dans les 1% à faire. Salut, tu veux être mon ami? Ah ouais, non. Non, ça va, ici, il y a un petit... Dommage, dommage, on peut plus y aller. Sinon, je vous aurais bien montré. Donc ça, parce que par là, normalement, on voit des bouts de galerie, quoi. Problème, c'est que l'arbre a poussé, mais la nature a repris son droit. Faudra qu'elle me montre le papier quand même, hein, parce que j'aimerais bien avoir le papier comme quoi est-ce que la nature peut reprendre ses droits comme ça. Donc voilà les amis, je vous montre pour une dernière fois ce merveilleux endroit, enfin une dernière fois. C'est ce que je dis, mais ça se trouve, je vais faire 300 milliards de vidéos dessus. Donc franchement, c'est un endroit formidable. C'est magnifique, une belle vue en plus, hein. Je peux vous assurer que si vous seriez avec moi, vous trouverez la vidéo, la vue, hyper belle, avec le petit pont et tout. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. Alors, avant de bien vous quitter, je vais quand même essayer de montrer l'entrée quand même, hein. Parce que c'est quand même le but. Ah ok, je vous montre l'endroit, mais si je vous montre pas l'entrée... Ça serait pas cool. Ouais, franchement, que dire de plus? Que dire de plus? Allez, on va prendre les petits escaliers là. Alors, ah oui, donc là il y a cette partie là aussi. Franchement, on dirait un peu des douves. Hein. On dirait un peu des douves. Ou alors des endroits vers un autre monde. Peut-être vers un monde meilleur. Que dire, personne ne sait. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui y est allé, mais sauf que ça fait 37 ans qu'il est allé. Et il est pas revenu quoi. Les gens ont fait « Vas-y Jean-Claude !» Ça fait 37 ans qu'on attend Jean-Claude. Oh, il doit avoir un petit retard, il a dû faire un petit pipi dans les galeries. Un pipi de 37 ans, c'est un peu long quand même. Ah oui, donc comme je vous l'ai dit, c'est en rénovation. On va rentrer dans ce petit tunnel. Donc c'est normal que vous ne voyez rien, je n'ai pas de lampe. La lumière est au bout du tunnel. Et hop. Donc vous devez me voir très sombre. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette visite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Capitaine Guillaume, fin de transmission. Ah, et j'oublie un petit message. Dans la description, je vous mettrai un lien pour une chaîne qui s'appelle Duo Supernatural. Franchement, c'est une chaîne que j'apprécie énormément. C'est une vidéo qui se passe ici même, mais sauf que là, il va vous montrer l'intérieur des galeries. Donc voilà les amis. Allez, toute voile dehors.